Autrefois, lorsque les ordinateurs étaient difficilement accessibles, les entreprises commerciales et industrielles, les établissements, institutions financières publiques et privées devaient se munir d'un classeur, une sorte de cahier, et d'une calculatrice pour réaliser des tableaux, calculs arithmétiques et statistiques. Cette manière de travailler, dite manuelle, nécessitant une importante consommation des ressources en termes d'hommes et surtout de temps, a très vite inspiré les concepteurs des logiciels lorsque les ordinateurs étaient devenus à la portée de tous. Ils conçurent alors des tableurs parmi lesquels on trouve VisiCalc, le premier des tous paru en 1979, et Microsoft Excel. La simplicité de travail et exceptionnelle productivité offerte par des tableurs, répondant fortement aux attentes, principalement des structures financières et commerciales, a complètement révolutionné le monde administratif.